Bon, je viens de calculer, si je revends un marché noir qui n'est pas coloré de chaque, je récupère environ 20 000 crédits. Ok les gars, si vous êtes intéressés par des crédits ou des items bon marché sur Rocket League, n'hésitez pas à aller sur aware.com qui est le sponsor de la chaîne. Avec le code RADA, tu peux bénéficier de 6% de réduction sur tes achats. Aussi, tu seras livré en quelques minutes. Si t'es intéressé, tout se passe en description. Du coup les gars, nouvelle vidéo, c'est une vidéo trade mais aussi collection. En effet, j'ai eu tous les marchés noirs du jeu et vous allez pouvoir voir que j'ai fait des bénéfices en achetant tous les marchés noirs. Bon, j'ai pas pu faire des bénéfices sur tous les marchés noirs mais je pense que j'ai géré, vous allez voir de vous-même. Il y a du trade environ pendant une semaine pour avoir tous les marchés noirs. Je suis parti à la base avec environ 15 ou 16 marchés noirs et j'en ai acheté environ 30. Dans cette vidéo, il y a des trades de la prochaine vidéo trade, car en effet, dans cette vidéo, il n'y a que des marchés noirs. Il y a tous mes trades de marchés noirs depuis une semaine environ. Alors pour cette vidéo, je compte sur vous pour liker, pour vous abonner et pour mettre le code créateur RADACOR, le code créateur qui met tout le monde d'accord. Et puis je vous dis bon visionnage à tous. Et en trade avec Rezox, en échange de notre duel de dragon qui vaut 2000 crédits contre Interstellar qui vaut 950 crédits, bombe à gravité qui vaut 500 crédits, et on finit avec frappe aérienne qui vaut 700 crédits, mais vu qu'il est certif, environ 800 crédits. On se fait de gros bénéfices là. Et on achète dissolvant qui vaut 1300 crédits contre bombe à gravité qui vaut 500 crédits, les dracos 200 crédits. On gagne environ 400 voire 500 crédits sur ce trade. Et on vend 4 NCE contre 2 NCE plus brisé qui vaut 250. Plus Voxel qui vaut 250 et un petit trade-up rare. Et on vend la Octane Cobalt qui vaut 800 crédits contre 20XX qui vaut 800 crédits. Les Zombas qui volent 80 crédits et Étincelle qui vaut 200 crédits. Et en plus il nous a mis 30 crédits. On gagne environ 230 crédits. Mais je pense 20XX c'est dur à vendre. Et on échange nos Pyros inversés contre environ 600 crédits. Bombe à gravité c'est 500 crédits. Et Pyros vaut minimum 600 crédits. Et on achète Caméléon contre Aile de Phoenix qui vaut 200 crédits et un autre diesel qui vaut 100 crédits, ça fait 300 crédits et Caméléon vaut 350. Et on a demandé un petit drapeau à Damier Blanc Titan avec. Et on vend la Phoenix Certif Attaquant pour environ 800 crédits, ça vaut dans ces eaux-là 20XX, c'est 500 crédits et on récupère 300 crédits, ça fait 800. Et on vend Dissolvant pour environ 1450 crédits, il vaut minimum 1300. Je pense qu'on a gagné 200 crédits sur ce trade, on avait dû le payer 1200 crédits. Regardez ce que vous avez. Pour rentabiliser. Maintenant, on a du lourd. Regardez, on va avoir ordinateur central blanc titane. Oh! Ça c'est 200 crédits, 200 crédits, 200 crédits, 200 crédits. Ça c'est nul, c'est éclaté. Et on ensuite, achète encore un marché noir, cette fois c'est Dieu du Feu contre les Direwolves Gris qui ont descendu à 200 crédits. Je crois qu'elle valait 300 ou 350 crédits quand je les ai achetés. Aussi on a mis les Direwolves Violettes qui valent 250 crédits et avoir la pêche qui vaut 150 crédits. En tout ça faisait les 600-650 crédits. Et Dieu du Feu c'est 750 crédits. On fait des bénéfices sur tous nos marchés noirs. Et on achète duel de dragon et nous on donne environ pour 1700 crédits d'items. Franchement on se met super bien. Et on achète électrochoc et végétation en profusion citron vert pour 240 crédits. Rien qu'électrochoc c'est 250 crédits. Alors citron vert je crois que c'est dans les 80 crédits quelque chose par là. Du coup on se retrouve en voix off parce que vu que je suis un petit peu bête, j'avais pas activé mon micro lors du trade. On est avec Natsuko93 qui est un petit youtubeur de 200 abonnés, il fait souvent des lives, je passe souvent dessus. Du coup pour me remercier il me donne une Fennec qui vaut 600 crédits, Magma qui vaut 200 crédits, Labyrinthe qui vaut 200 crédits. Est-ce que c'est incroyable? C'est totalement incroyable. Alors pensez à lui donner de la force, sa chaîne est en description. C'est le troisième sponsor de la chaîne après aware.com, après base YouTube. Et maintenant on a Natsuko. C'est incroyable. Je suis payé en item Rocket League. Non en vrai je vais vous faire gagner la Fennec, vous êtes beaucoup trop fort. Même Magma et tout je vais vous faire gagner par la suite avec des concepts de vidéos. Et du coup je lui ai dit qu'il avait donné pour 800 crédits.
Et là, pour arrondir, vous savez ce qu'il fait? Il me donne un marché noir qui vaut 200 crédits. C'est sur la vague. Il est vraiment fou. Et là, il rajoute Eldange. C'est incroyable. Il est incroyable, Natsuko. Il me donne 1000 crédits comme ça parce que je passe sur ses lives. Et du coup, il nous donne des marchés noirs qu'on n'avait pas. On ne dit pas non. Du tout. C'est labyrinthe qu'on n'avait pas. Sur la vague, on l'avait déjà. Et on achète éruption solaire au prix minimum pour 150 crédits. Je sais pas si on va réussir à le revendre un petit peu plus. Et ce petit marché noir, on l'avait pas, il vaut 150 crédits. Nos cristianos, elles volent 150 crédits à 200 crédits. Du coup, on lui a demandé de mettre un NCVR. Et du coup, il a mis aussi un sticker sur la Fennec. On le rentabilise bien. Contre notre petit sticker, on récupère Thora et Radrock blanc titane qui vaut 100 crédits. Et Thora, c'est 200 crédits, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, tout simplement, Interstellar Terre de Sienne qui vaut 700 crédits. Et une NCE, ça fait 900 crédits pour la Fennec. La Fennec normale. Du coup, on gagne 200 crédits parce que mes Fennecs, je les vends 700 crédits. Et on vend Duel de Dragon, les Zombas blanc titane et standard noir contre environ 6200 crédits. 6300, non, 6400 crédits, les gars. On se met assez bien, on a beaucoup de stuff à revendre. En plus, c'est le prix minimum. Ça a été calculé, les 6200, les 6300 sur le prix minimum. On pourra peut-être vendre un petit peu plus que le prix minimum. On s'est mis super bien. Et on achète Magma Dark Sentinel pour 150 crédits. Il vaut minimum 200 crédits. Et Zaza, qui est un fidèle abonné, on trade souvent avec lui, nous échange biomasse certif attaquant, un NCVR et une ampoule électrique contre Fennec Ombre et Perle Anodisée. Et on va Interstellar pour 1000 crédits et je crois que Monkey nous a mis une petite roue en cadeau. Merci beaucoup. Et un Interstellar qui part. Et on vend la Fennec contre Garde Tempête, c'est un marché noir qui nous manquait. Pour faire la collection et aussi tous les végétations en profusion sauf le noir. Et on vend standard citron vert contre Toon qui vaut 100 crédits et on récupère 150 crédits aussi. Et on achète sillage pour 300 crédits et il vaut minimum 300 crédits. Je fais ça pour la vidéo. Et on vend Interstellar Terre de Sienne qui vaut 700 crédits contre 500 crédits. Breakout Vert Profond qui vaut 150 crédits. Biomasse qui vaut 200 crédits. Et les émeraudes. On se mit très bien avec ce trade. A la base, on va l'appeler Glaçon parce que je sais pas comment on prononce avant. Voulait me donner 670 crédits. Bombe à gravité. Mais je pense qu'il connaît pas les prix. Du coup, je lui ai dit tu te fais arnaquer. Je lui ai mis la Octane ZSR. Et cette petite traînée limitée violette. Mais faites bien attention les gars, utilisez RL Insider, vraiment. Regardez bien les prix. Et on achète Pétillant Azuli. Il vaut minimum 400 crédits, on l'achète 350. Et nous a mis un petit importé en cadeau. Merci beaucoup à toi Azuli. Et on achète maintenant Tempête de Météore pour 250 crédits. Il vaut minimum 300 crédits. Et on achète Atomizer qui vaut minimum 200 crédits pour 170 crédits. Et on achète Spectre pour 100. Et on achète Spectre et Atomizer qui valent 350 crédits. On les achète 300 crédits. Et on achète Glorifié pour 350 crédits. Il vaut minimum 350 crédits. On va sûrement pas faire de bénéfice avec. Et on achète Exalteur Blanc Titane pour environ 1720 crédits. Il vaut 1800 crédits. Il est tellement dur à revendre, c'est juste pour la vidéo. Je vais regretter ce que je suis en train de faire, mais bon, on le fait pour vous. Exalteur normal, il est presque introuvable, il coûte que 700 crédits, mais il est presque introuvable sur le marché. Mais vraiment, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, du coup, je me suis rabattu sur blanc titane. Et même le blanc titane, il est rare, mais il est très dur à revendre. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Et on achète feu d'artifice safran pour 500 crédits, il vaut minimum 500 crédits. Mais encore une fois, c'est bien pour la vidéo, je collectionne tous les marchés noirs, on fait ça. Ça, on fera pas de bénéfice malheureusement. Après tant de crédits dépensés, on a enfin tous les marchés noirs. Il nous reste 22 000 crédits.
Donc au total, il y a 45 marchés noirs différents. Bien évidemment, on compte pas les couleurs différentes ou encore les certifications différentes. Sinon, on s'en sort pas. Vous pouvez vérifier je ne sais où sur Avea ou quoi. Il y a 45 marchés noirs différents. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, pardon, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Bon, je viens de calculer, si je revends un marché noir qui n'est pas coloré de chaque, je récupère environ 20 000 crédits. Et donc, si je vends tous mes marchés noirs, sachant qu'il y en a que je vais vous faire gagner par la suite sur Discord, alors pensez à le rejoindre d'ailleurs, je vais récupérer environ 25 000, 26 000 crédits. Du coup, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit like, pour vous abonner et pour mettre le code créateur RADACCORD, le code créateur qui met tout le monde d'accord. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était une vidéo qui changeait d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu.